Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Sims Mobile. Donc on est un peu dans du hors-série, hein, comme je le disais, puisque je visite vos maisons. Donc j'ai fait un peu de ménage, j'ai viré des personnes qui ne jouaient plus depuis des lustres. Hein. Bon, je laisse au bout de 10 jours tout ça, mais il y en a, voilà, 27 jours, 26 jours. Bon, ben voilà, quoi, c'est un peu malheureux. Bon, ils ont abandonné. Donc nous, on était arrivés à Mythical qui n'avait pas joué depuis 45 jours. Vous voyez, je vois seulement en fait. Donc j'en ai supprimé pas mal. Donc si vous avez des demandes quand vous arrivez, ben, n'hésitez pas. J'ai encore 9, enfin une dizaine de places. Donc nous, on va reprendre. On va aller voir. Bon, même si c'est 39 jours, je vais finir la liste là. On va aller voir la maison de Jordan qui est niveau 13. C'est parti. On va voir la maison. Donc on est dans la partie 3. Donc là, on peut voir comme il est que niveau 13. Il n'y a pas beaucoup de choses dans sa maison. Voilà, donc on peut dire, voilà, c'est une maison très, très classique. Il n'y a pas beaucoup de trucs, mais bon, il y a ce qu'il faut, là où il faut. C'est-à-dire, on a des pièces séparées avec une cuisine, un salon qui est plus grand. On a déjà vu ce genre de maison dans les précédents épisodes. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus très longtemps. Ensuite, alors attention, 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 attention. Par exemple, Jean-Patrick et tout, j'ai même pas vu. Alors Lolo, Jean-Patrick, je m'en souviens plus. Marine, si, si. Ça, si. C'est bon, je m'en souviens. Donc on va aller voir Hang. C'est pareil. Bon, là, 4 jours. Par contre, là, on est sur quelqu'un de plus récent. Donc niveau 17. Oh! Alors là, on a une maison carrée. Mais dedans, c'est une réserve des petites surprises. Donc l'arche qu'on retrouve évidemment dehors. Et le salon. Avec tapis. Bon, un double. Attendez. D'accord, en fait, il a fait un espace salon pour si on n'a pas envie de s'embêter avec la télé. Comme ça, on peut prendre le thé tranquillou. Ou un espace pour ceux qui veulent regarder la télé en même temps. Ensuite, on a une chambre qui fait 3 lits. Donc, grande famille. Salle de bain assez large, mais bon, voilà, des petites plantes tranquillou. On a une bonne, belle petite salle de bain. Qui, se passe tout, enfin, qui prend tout l'espace avec les meubles. Et on a la cuisine avec le petit landau en plein milieu. Bon, bah lui, on ne sait pas ce qu'il fait là, mais bon, il est là. Par contre, cuisine, voilà, avec plusieurs tables. Donc, chacun a sa table, en fait. C'est comique. C'est assez comique. Et la plus grande chambre pour les parents. Donc, belle petite chambre. Et dehors, de rien, on n'a rien. Donc là, je vais passer à la personne suivante. DJ Sofiane, donc ça fait 7 jours, niveau 16. Niveau 16, c'est parti. Donc, oh! Une couleur d'extérieur que j'apprécie. J'apprécie, ça change. Ça change de style. On retrouve encore une fois l'arche. Donc, salon avec une petite table pour la cuisine, pour manger. Par contre, le meuble rose, ouais, non, je suis pas fan. Mais par contre, la cuisine, j'adore. Les couleurs rouges, c'est un peu sombre, mais. Ça me plaît bien. Donc, grande cuisine. Par contre, la table, ouais, on aurait pu la mettre au centre. Salle de bain, qui est complète pour une salle de bain. Chambre pour. Ah non, non. Là, c'est un peu le boxon. C'est-à-dire, c'est là où il va tout y avoir. Le bébé où il mange, le bureau pour l'écriture, le meuble créativité, la guitare et le coffre. Et ensuite, on a une chambre, seulement une. Donc, avec la chambre des parents et la chambre en même temps de l'enfant. Ouais, je suis pas fan de ça non plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, bon, bah voilà quoi, il a fait au mieux pour gérer ses pièces. Alors, personne suivante. Nora. Donc 20 jours, niveau 16. Comme je vous le dis, il y a beaucoup de personnes qui sont pas là depuis un moment. Donc là, style plus gris à l'extérieur, mais ça change aussi. Avec un petit truc, la salle de bain qui est vraiment mise de côté. Donc là, je vais commencer par la salle de bain. Donc, grande salle de bain avec l'armoire, ouais, au moins on change direct dedans. La petite cuisine avec le salon, donc tout est intégré direct. Par contre, en fait, ce qui est dommage, c'est que là, la table pour manger, bah, elle est mise là. Enfin, on peut manger dessus après, hein, sur le meuble là, mais ce que je veux dire, c'est que en général, bah, là, il doit se déplacer pour aller manger. Et sinon, après, voilà, c'est bien, j'aime bien. Et là, on a une chambre, bon, plutôt une grande chambre. Celle-ci, elle est large, la chambre. Moi, je l'aurais rétréci un petit peu.
Après, bon, on a de l'espace au moins dedans. Et là, on a carrément la chambre, enfin une chambre pour plusieurs Sims, avec la télé. Ils ont de la chance, punaise, dans leur chambre. Hein. Au moins, ils n'ont pas embêté les parents, vous allez me dire. Enfin voilà, donc l'arche qu'on retrouve une nouvelle fois dehors. Ah bah ça, de toute façon, l'arche, c'est le truc qu'on va voir le plus souvent. Ensuite, on va voir Gwen, niveau 15, donc 23 jours, pas connecté. Donc Maison Blanche. Donc là, bon, on peut voir le salon, la petite cuisine. Bon, c'est assez sympathique chez elle. Avec un petit couloir, la chambre, voilà, qui mène à la chambre, et la salle de bain. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, donc maintenant je vais aller voir suivant. Bon, je ne m'attarde pas, comme je le dis, comme c'est des gens qui sont pas là depuis longtemps. Donc Sora 1521, ça fait 56 minutes. Donc, on peut aller voir sa maison. Maison grise. Donc pas encore l'arche, ou alors remis dans l'inventaire. Donc grand espace à vivre avec salon, cuisine intégrée. Là on peut voir que tout y est avec le petit bureau. Moi si on veut se faire un petit casse-croûte ou quelque chose comme ça, c'est à côté. La chambre. Donc chambre qui est assez grande, spacieuse, mais pas trop non plus comme la maison précédente. Avec de belles petites couleurs. Et la salle de bain qui elle est énorme. Mais à mon avis ça bon. Ça c'est pas trop grave parce que plus on va évoluer, plus on aura les jacuzzi, tout ça, donc on peut l'intégrer facilement dedans. Et du coup, ah oui, Sarah, je vais aller voir Sarah MRC parce que ça c'est une nouvelle qui est arrivée. Donc je vais aller voir ça de suite, tant qu'à faire. Alors, grande maison boisée de Claire. Alors là, on a le salon. Avec le tapis. J'adore le tapis. Je sais pas si je l'ai vu dans les précédents, mais en tout cas, ce tapis-là, j'adore. Une chambre avec bureau pour écrire et petite télé ou individuelle. Et là, wow, il ne fait pas dans les petits moyens. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle fait dans l'or, carrément. C'est une star. Vous avez vu ça? On a carrément le lavabo en or avec l'étoile. Ah mais ça c'est de l'or, hein, tout en or. Et là il y en a un qui est en train de suer. Là on lui a dit tu t'es obligé de faire ça en costume, sinon il y a une bombe qui explose ou un truc comme ça. Donc la chambre, des belles couleurs aussi, spacieuse avec lit bambin. Bon ça je suis pas fan non plus. Salle de bain qui est énorme en largeur. Et sinon donc la cuisine et la chambre. Y a plein de vêtements dans la chambre, c'est pas mal. Par contre, ouais, Ruby, je crois qu'on l'avait vu à ce niveau-là. Hein. Du coup, on va aller voir The Miss Ninja. Je sais plus si on l'avait vu, ça me dit quelque chose en fait, mais bon, par précaution, j'y retourne. Alors, Miss Ninja marron avec la petite arche de mariage, salon grand qui est énorme. En fait, ça, c'est quelqu'un qui aime bien les grandes pièces, là, dans cette maison. On peut voir ça. Avec carrément le canapé à côté. Salle de bain. Cuisine. Ouais, bah, la cuisine, là, on peut mettre 50 000 trucs. Bon, moi, elle a peut-être prévu quelque chose de grand. À voir. À voir dans le futur. De toute façon, je referai des vidéos comme ça pour aller voir l'évolution. Mais dès que vous serez plus HL, si vous allez au plus HL. Du coup, là je suis à Daniela Wilk. J'ai l'impression d'avoir déjà visité ces maisons-là en fait. Donc je ne sais pas, mais je pense pas. Donc maison cube, arche à côté, le salon, la cuisine, chambre double, donc avec enfant. Alors là, j'espère que mon micro fonctionne bien. Ok, bon, bah, suivant, parce qu'on est déjà à 9 minutes. Hein. La suivante, c'est Abdou NK. Abdou NK, 5 jours, niveau 14. Et comme quoi, regardez, maison boisée aussi, elle est belle d'extérieur. Et l'intérieur est très enrichi, je trouve. Bon, par contre, on est tout l'un sur l'autre avec le canapé. Mais ça va, ils arrivent à loger. Donc, il n'y a pas de télé.
Il y a un meuble ici pour placer des choses, hein, comme vous. La cuisine. Donc des couleurs assez sombres, mais qui fonctionnent bien. La chambre. Mais c'est ça, c'est un peu tassé, hein, mais voilà, après c'est petit et c'est bien, quoi. Je veux dire, ça marche, ça passe. Donc la salle de bain aussi. Et la chambre pour enfants, tout ça, avec canapé intégré. Ah, mais il y en a, ils se refusent rien dans les chambres. Il y en a, ils se refusent rien. Moi, je vous le dis. Donc, maintenant. On va aller voir. Clé à 8 jours, niveau 14. Là, on va peut-être essayer de comparer, voir. Vous voyez, le niveau d'avant, donc la petite maison, c'est assez charmante avec l'arche dehors. Mais quand vous allez à l'intérieur, c'est vite comparé à la personne précédente. Donc, vous pouvez voir que malgré tout, avec un niveau 14, on peut s'en sortir. Hein. Donc, deux leviers. Chambre simple, il n'y a rien dedans pour l'instant. Ouais, ça va venir au fur et à mesure. Hein. Pour certains. Après, il y en a, ils sont pas du tout dans la décoration de leur maison. Hein. Ça, c'est clair. Donc là, on va aller voir Rosie. Donc, petite maison. Dès qu'on approche, on a donc le salon. Et les gens, ils font beaucoup le salon à l'entrée comme ça. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais pourquoi pas? Donc, cuisine. Salle de bain. Et la chambre. L'arche, une nouvelle fois. De toute façon, c'est ce que je dis. L'arche, on va l'avoir partout. Et maintenant. Alors, Sawa Zaza. 27 jours. Allez, j'attends avant de faire quoi que ce soit. Hein. Alors là, on peut voir une petite maison stylée. Hein, rouge. Bon, la blanche, je sais pas si ça n'oublie ou quoi. Ou s'il n'y a plus de Simflouz. Avec l'arche à côté et le jacuzzi carrément. Bon, j'aurais, à mon avis, plus tard, elle va faire un petit truc sympathique si elle continue d'y jouer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, c'est de Sims Mobile. De toute façon, au bout d'un moment, il y a rien à faire, quoi. Donc là, salon, donc avec cuisine qui est direct. Donc couleur assez sombre, mais qui marche bien. Donc avec de la pierre par terre, pourquoi pas, pour faire un peu châtelain. Hein, ça peut passer. Donc là, même pareil ici. Par contre, le matin, j'espère qu'il y a de bons radiateurs. Et puis, il y a pieds nus, là, waouh. Et la chambre, comment ils y vont dans la chambre? Ils ont oublié la porte. En tout cas, c'est des chambres, la chambre là, je l'aime bien. Petite chambre, mais dommage, il n'y a pas de porte. Donc, ils se téléportent dedans. La salle de bain, qui est immense. Là, pour être immense, je mets à la douche. Et la petite chambre de bébé, on va dire ça ainsi. Par contre, alors, l'inconvénient, c'est que pour aller dans cette pièce, là, les Sims peuvent se téléporter, nous sommes d'accord. Mais l'inconvénient, ce serait que, en vrai, vous serez toujours obligé de faire le tour de votre maison pour rentrer. Et là, vous passez par la fenêtre, en fait, dans la chambre. Parce que oui, pour toi, il y a une... Ouais, il y a une porte ici. Ok. Alors, Sims suivant. Alors, j'espère vraiment que j'en oublie pas aussi. Donc, on va aller voir Mama Lozaza, niveau 15, il y a 4 jours qu'elle n'a pas joué. Donc, une petite maison. Alors, là, de bleu vêtu, nous allons voir. Quelqu'un qui aime le bleu, ça va changer du vert. Ouais, bon, la cuisine, elle n'est pas complète. On peut voir ça, elle n'est pas complète. Le salon, bon, ça va, c'est un salon. Un peu trop bleu, peut-être à mon goût, mais ça, après, les goûts et les couleurs. Hein. La petite chambre, sympatoche. Salle de bain. Encore une fois, qui est grande, hein, immense, putain. Là, c'est sûr qu'on peut bien se changer et tout. Et là, une chambre triple. Donc, ouais, bah, elle est pas mal, cette chambre triple. Au moins, ça peut loger des Sims tranquillou dedans. Alors, ensuite. Renardo LPS. On va aller voir ça. Connexion, il y a 3 jours. Et là, faut des candidats qui remontent le niveau. Hein. Hakuna Matata, là, il l'a mis énormément, hein, le niveau. Et voilà, donc là, nous avons le salon avec la cuisine qui est intégrée à l'intérieur.
Bon, là, on voit que c'est aussi dans les débuts. La petite chambre, elle est spacieuse, donc c'est vraiment pour mettre tous les bambins. L'autre chambre pour les parents. La salle de bain. Et une autre chambre qui est cachée derrière la chambre. L'arche qui est toujours là. L'arche est le symbole des Sims Mobile. Ensuite, on va aller voir Inès. Donc Inès, on avait vu, je crois, sa première maison. Mais là, c'est son second compte qu'elle m'a averti. Donc on va revoir sa maison. Donc derrière, avec le petit arbre. Déjà, ça décore l'extérieur. Et là, on y va. Donc salle de bain. Donc une petite salle de bain qui est tranquille. On est bien dedans. On se sentirait bien. Le salon, donc des couleurs assez. Ouais, des belles petites couleurs qui vont bien avec le mural et le sol, je trouve. Et aussi avec l'ensemble des meubles, genre le canapé, je trouve qu'il va très très bien. Donc ça fait un petit coin chic. Avec direct, par contre, le problème, c'est. Encore une fois, ça en vrai, hein, je veux dire. Là, l'enfant, il passerait tout le temps devant pour embêter les gens qui regardent la télé. Et là, nous avons la cuisine. Donc cuisine, j'aime bien ces cuisines comme ça, moi. Qu'ils entourent et tout. Enfin, je trouve ça cool. Et là, nous avons donc la chambre des parents. Donc, qui est remplie. Donc, pour niveau 12, voilà, c'est encore une fois par rapport au niveau 14 qu'on a vu tout à l'heure. Maison plutôt vide. Là, on a une maison qui est un peu complète. Bon, il manque des choses, mais c'est en même temps niveau 12, voilà. Donc, franchement, pas mal. J'aime bien. J'aime bien ta maison, Inès. Donc, là, on va aller voir Alex Loufal. Donc, 6 jours, niveau 11. Voyons voir ce qu'il nous a fait. Donc, maison classique avec l'arche. Encore une fois, l'extérieur. De toute façon, on ne pourra pas faire des miracles. Donc, salon avec cuisine. Chambre vide. Donc, il compte faire quelque chose. Mais c'est bien, il a décoré déjà. Donc, avec des tableaux, tout ça. La chambre de l'enfant. En fait, je crois que c'est. Enfin, ou d'un Sims célibataire, à mon avis. Hein. Je pense plutôt à ça. Mais il a quand même envisagé le futur. Salle de bain qui est petite, mais qui. Voilà, au moins, elle n'est pas trop grande. Voilà, donc on va choisir maintenant la personne suivante, qui sera Loxane. Bon, je compte aller jusqu'au bout, hein, de toute façon, pour maintenant. Loxane, niveau 11, maison. Bon, la maison, elle ressemble comme toutes les autres. Nous avons la cuisine salon avec la chambre qui est en construction. La chambre, sûrement la première en tant que célibataire quand on arrive. Et la salle de bain qui est quand même plus complète. Par contre, cette armoire là, elle me fait peur. Mais au moins, c'est décoré, on va dire. Donc, Loxane, ça faisait combien de jours? Ça fait 9 jours. Donc là, on va aller voir Titi. Donc, niveau 10, et il y a 3 jours. Donc la maison reste semblable aux autres. L'intérieur, donc salon, cuisine, lit double, le lit tout seul. Bon là on reste dans le classique, dans les débuts c'est tout à fait normal niveau 10. Et salle de bain avec des couleurs roses. Ah, pourquoi pas. Alors ensuite, on va prendre Power Girl 2001. Donc il y a 7 jours. Voyons voir. Ah bah là, oui, donc petite maison, on est dans les débuts, niveau 7. Donc cuisine, le truc du début, quoi. En fait, là, c'est la même maison que moi, en fait. Donc c'est le début. Donc on s'éternise pas. Et on va aller voir Calmi Lo, 17h. Et niveau 8. Ok, bah là, c'est pareil. Voilà, donc bon, ça va être en évolution. À mon avis, donc je pense que j'ai fait le tour de toutes vos maisons. Si vous n'êtes pas apparu dedans, n'hésitez pas à me remettre dans les commentaires votre pseudo, tout ça, que j'y aille. Mais logiquement, j'ai fait tout le monde. Voilà. Donc j'espère que cette série de vidéos, donc il y en a eu 3, j'espère qu'elles vous auront plu de voir vos maisons, tout ça à l'intérieur. J'en referai peut-être dans le futur une fois que ce sera bien évolué. Mais là, après, je vais un peu me concentrer sur mon jeu là actuellement, puisque ça a fait une coupure, on va dire. Donc moi en tout cas j'espère sincèrement que ça vous a plu, n'hésitez pas à me redemander ce genre de vidéo. Je pense même faire une petite vidéo annonce pour vous expliquer mon projet que j'ai eu à l'époque de 2016, au début de ma chaîne en fait. Donc je vous ferai part de ça prochainement. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, bye bye!